Ok, de retour sur la chaîne MK Découverte pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, on va voir une astuce très importante sur les paramètres de votre téléphone qui va justement booster votre connexion Internet. Donc, vous avez des difficultés en ce qui concerne Internet, en termes de rapidité, en termes de fluidité. Restez jusqu'à la fin de ce tuto pour avoir justement la réponse à ces problèmes. Donc, rapidement, je vais ouvrir paramètres. Alors ici, je vais aller sur paramètres si mes réseaux. Donc, la procédure est pareille pour n'importe quel téléphone Android que vous utilisez. Donc, c'est un peu ça. Alors ici, j'ai des SIM, j'ai Vodacom et Orange. Donc, je vais prendre une SIM, je prends par exemple Orange. Et je descends un peu, je vais aller sur nom de point d'accès. Alors ici, je vais aller sur les trois petits plis. Non, je vais aller sur les petits plis qui se trouvent au coin, juste en bas ici. Alors ici, je vais essayer de configurer un peu. Là où il y a les noms, je vais mettre ceci. 4.4.4.4. En ce qui concerne la peine, non, pour les noms, je vais mettre 4.4.8.8. Ouais, c'est ça. Espace. 6 et alors pour la peine, je vais mettre 4.4.8.8. Ok, alors j'essaie un peu de descendre un peu pour aller sur serveur. Alors ici, je vais mettre www.google.com. Alors je descends un peu, je vais aller sur. Alors, je vais aller sur protocole à peine. Ici, je vais prendre la dernière option. Et pour finir, je vais aller sur réseau pour sélectionner justement les autres réseaux ici. Et pour finir, je vais enregistrer. Donc, c'est un peu ça. Alors, ici, je vais changer la configuration pour mettre justement la configuration que je viens de faire tout de suite là. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais essayer un peu de me connecter sur une application, même Facebook. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment rapide, très très rapide, très très rapide. Donc, comme vous le voyez, en testant la vitesse de connexion, je suis à 9,8 mégabits par seconde. Vous voyez? Donc, c'est vraiment énorme, c'est vraiment fantastique. 9,8 mégas par seconde. Alors, je vous conseille vraiment d'appliquer cette astuce pour augmenter votre vitesse de connexion sur votre téléphone. C'est vraiment facile à faire. Alors, n'oubliez pas surtout de vous abonner, c'est très important. Et si la vidéo vous a plu, likez. On se retrouve prochainement pour de nouvelles tutos.